Pub, pas pub? Telle est la question. Alors? Pub, mais mute, donc tout va bien. Laissons-la faire sa vie, hein, le temps qu'on papote. Alors ouais, j'ai vu qu'on m'a dit j'ai la marionnette du haut. Donc j'ai pas vu la marionnette du haut, hein, je suis une tocarde, donc je vais aller voir la marionnette du haut. Coucou Limen! Et coucou John aussi. Ah mais c'est pour ça que je l'avais pas vu, Limen. D'accord, t'es arrivé pendant la pause. Ça marche. Bien. Bien, 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 bien. Est-ce que la pub un jour. Alors c'est une pub pourquoi là maintenant? Ah bah oui. Très intéressant. Soit. Bon, allez, hop. Tac, c'est coupé. On est reparti. On prie. J'attends vraiment désespérément cette sauvegarde pour que le jeu arrête de mourir. Je vais remettre le son. Voilà. Normalement, vous avez le jeu. C'est bon. La manette est toujours là. Ouais, ok, super, cool story. Alors, donc, celle d'en haut. Alors là, c'est pire que tout, hein. Il va vraiment falloir vite, vite une sauvegarde, parce que là... Allez, fais-le ton double saut, noob! La marionnette du haut, alors elle est où? Ah, elle est là! En plus, on la voyait bien, hein. Bonjour la tocarde, hein. Ok Sandy, bah tu leur feras un coucou, mais on s'est déjà parlé aujourd'hui avec Pélo. Alors s'il me passe le bonjour, c'est une patate, hein. On s'est déjà vu parler il y a 1 heure. Enfin une gentille patate, hein. Puis, moi patate pour moi c'est affectueux, mais ceux qui me connaissent le savent donc. Le son me répète les oreilles là par contre. Ah une clé rouillée, mais c'est incroyable. Attendez. Voilà. Une clé rouillée, c'est incroyable. Justement, il m'en fallait une pour ouvrir la porte qui est en bas, hein. Je suis sûre que vous en souvenez. Donc, on est parti. Ah mais non. Ah, c'est pas le moment, mec, je te jure, je suis en galère là. Mon jeu, il meurt. J'ai pas trop envie de me battre. Est-ce que... Non, voilà, je le savais. Je le savais. Pff. Franchement, tu m'aides pas du tout, hein. Ah, puis vous êtes deux. C'est la fête du slip. Merde, j'ai pas eu le temps de sauter. Oh, le combat absolument immonde. Je peux pas sortir mes guns là? Bon, vivement la sauvegarde, hein. On y croit là. Hein. Non, pas dans le trou. Ah, vous êtes 25 en fait. Ok, parfait. Bah, faisons comme ça alors. Il y a des sphères. Moi, je récupère les sphères. Hein. On verra après pour le combat. Hein. Ah, voilà. Parfait. Bon, on se casse, hein. Allez, salut, hein. C'était bien sympa tout ça, mais. Pourquoi tu sautes là-bas en fait? Ah. Ah, bonjour. C'est pour mourir vous aussi? Ouais, j'ai des super guns. Eh ouais. Eh ouais mon gars. Tu fais quoi contre ça? Bah rien du tout. Hop. Oh, on dirait que le jeu... Le jeu va mieux. Oh. Peut-être. Ne vous emballez pas. Hein. Coucou. Re-coucou mon pélo, du coup. Qu'est-ce que vous me racontez de beau? En fait, ça fait un moment qu'il me l'a dit, mais j'avais oublié. Ah, d'accord, Sandy. Très bien. Vous en êtes où, là, dans le jeu? Bah, on en est au début, Limen, puisqu'on a commencé. Il y a quoi? Ah, c'est vers 16h30 à peu près, parce qu'on a papoté au début du live. Donc, on en est au début, là. T'as rien raté. Hein. Hop. Tac, tac. On en a la première mission. Tout simplement.
Je bug, hein. Ouais. Donc je vais repartir par là. Et la clé rouillée, c'était une autre porte qui était dans le coin, me semble. Alors elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où cette porte déjà? Elle est dans un coin, si je dis pas de bêtises. Je voudrais une sauvegarde, s'il vous plaît, pour relancer le jeu, bordel. S'il vous plaît! Elle est où cette porte? Elle est bien en bas, hein, je dis pas de bêtises, hein. Me semblait qu'elle était dans le coin, moi. Ah, c'est ici, non? Non, c'est pas ici. Ou alors c'est à l'étage du dessus? Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. Vous avez utilisé la clé rouillée. Vous allez rentrer dans une pièce où vous allez encore vous faire défoncer le nez. Allez! On est content. Alors on est où? Ici, c'est pas. Yo! Je casse tout. Yo! Allez, vas-y. Je te pète la gueule, moi. Hop, alors, tu fais quoi maintenant? Tu fais rien. Hop, là il y a une porte, ok. Ouais, fais mumuse, hein. N'en veuillez pas. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok. Alors là. Cet emblème réagit à mes pouvoirs. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais pourquoi tu... Arrête, s'il te plaît, monsieur. Mais s'il te plaît! Ouda! Fous! Ouda! Hop! Et si ça fait bien 5 mois que j'ai un premium. Ah bon? Bonsoir! Alors justement, c'est cool. J'étais contente. Je voulais faire un combat avec le jeu complètement ralenti. Parce que je trouve ça très drôle, hein. Allons-y! Waouh! Vous êtes sérieux là? Mourez, bande de sac à merde! Voilà, ça c'est fait. J'ai un peu pris la quéquette là, hein. Faut dire ce qui est. Ah, mais t'es encore là, toi? Ah, vous êtes encore deux, d'accord, je l'avais pas vu. Toi non plus. Voilà, il y en a encore un autre. Ah non non non, waouh. Tu vas te calmer de suite, mon garçon, hein. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Eh oui. Il y en a un autre, je crois. Hein. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Même deux autres. J'ai des trucs pour me healer, non? Je crois. Des sphères. On va rester prudent, hein. Vu où en est ma vie. On va se servir de nos flingues gentiment. Voilà. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Bon, c'est bon, tout le monde est mort? On va où là? Ah bah bon, ma foi, on va aller faire un tour là, hein. Ça a l'air sympa. Ah bah oui, c'est sympa, encore des combats. J'ai envie de jouer à Skyrim.
Pousse, Bouddha. Oh quelle horreur. Nanana. Crève bordure. Ah t'es pas mort, t'en veux encore. Bah ok, pas de problème. J'arrive. Encore? Encore. Encore? Encore. Ah, t'es un coquin, t'aimes ça. Allez hop. Ouh, mais dis-moi, tu es bien résistant, mon garçon. Ça ne va pas du tout. Bon. Tu m'as saoulé, hop. Ça, je peux vous lire en même temps. Alors pourquoi pas Skyrim, Cero? Bah parce que tout simplement, si je joue à Skyrim, en streamant, mon ordi va exploser. Et oui, Jamy. Voilà. Je suis même pas sûr de pouvoir en record, pour te dire. Je pense même pas qu'un record qui tournera en même temps Skyrim, mon ordi le supporterait. Je pense qu'il exploserait aussi, donc c'est super. On est content. Très bien. Je peux monter au-dessus? Pas... Et allez! Ouais. Tac. Hop là! Eh ouais, Limen, et toi ça te fait rien, mais moi ça me fait. Ça me donne envie de pleurer en fait. Genre, mais vraiment. Enfin. Je. Ouais. Je comprendrais que vous en ayez marre et que vous vous barriez du stream hein, d'ailleurs. Y'a pas de soucis. Moi ça me. Juste. Ça me fait juste pas rire en fait. J'en ai juste marre. Voilà, c'est triste. Ah mais il y avait une échelle. Eh, je me suis cassé le cul. Alors que là, je crois qu'il y a une échelle, non? C'est pas une échelle? Mais pourquoi? On dirait qu'il n'a pas été réparé depuis longtemps. Ah ouais, putain, quel sens de l'observation, mon cher Dante. Pourquoi vous parlez des dos? Vous me faites peur là. Parce que c'est bon, j'ai déjà assez de merde comme ça pour pas en plus venir me dédosser. Hein. Vous parlez pas de moi. Hein. J'espère pas. Hein. Hein, vous parlez pas de moi. Hein. Bon bah allez, ciao. Alors, Limen, je te réponds de la même chose. Je n'ai pas envie de faire la liste de tout ce que j'ai. Tu vas sur ma chaîne perso et en bas dans la description que personne ne lit, il y a ma config totale de l'ordi au casque, à la souris, au clavier, tout ça. Bah, bisous du coup, d'ofoc. Toi, tu te casses. Alors, attendez, je suis arrivée d'où, moi? Je sais même plus. Je sais même plus d'où je suis arrivée. Oui, moi aussi, Cero. Mais pas en stream et pas en record. C'est incroyable quand même. Vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Et Cero, toi particulièrement, tu me fais toujours répéter. Je ne sais pas pourquoi, ça doit t'amuser. Non. Oui, je sais qu'il n'y a pas tout ça. C'est pour ça qu'à partir de... C'était mon dernier stream sur la TV1, Cero. Je l'ai dit au début du live. À partir de la semaine prochaine, je reprends sur ma perso. Et c'est pour ça que j'ai précisé à Limen d'aller voir sur le lien de ma perso, Cero. Voilà. Cero qui aime hein, m'énerver et me faire répéter, je crois. Là, il est chaud patate. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Va bien. Ah, je suis retournée dans la salle de tout à l'heure? Non. 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 Mais je suis dans la, vraiment dans la salle de tout à l'heure, en fait. Ah bah, on fait la même et on recommence. Allez, c'est parti!
Allez hop, comme ça je peux vous lire. C'est ça qui est bien, regardez. Ça va vous? Ouais, moi ça va. Hop, parfait. Ah d'accord, c'est pas pour m'énerver, t'es juste un boulet. Bah bravo Cero, hein. N'importe quoi, le mec qui se gaz tout seul. Non mais c'est vrai que tu me fais énormément répéter, c'est un peu triste. Surtout qu'en plus à chaque fois, c'est surtout ça que je trouve triste, c'est que tu me fais répéter sur des choses qui me font beaucoup de peine en fait. Genre me rappeler que j'ai une config de merde pour streamer ou tu vois ce genre de truc là. Donc c'est un peu, au bout d'un moment c'est vrai que c'est triste, ça fait un peu mal au moral. Voilà. Mais soit, je suis quand même là, hein, tu vois. Après voilà, hein, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus opti. Hein. Je le conçois très bien, voilà, avec OBS qui est en train de me dire ton ordi meurt, ton ordi meurt, ton ordi meurt. Sérieux? J'avais pas vu! J'avais pas remarqué, merci OBS, hein! Hop! Donc, bah du coup, on va se casser de là, parce que les autres portes, on peut pas les passer, si, peut-être. Ah, et la sirène d'aujourd'hui, on l'avait pas eu encore. Là, c'est fermé. Vous l'entendez sûrement. Tac. Toujours pas. Ouais, bah du coup, il va falloir remonter. En fait, je suis redescendue, je me suis retapé un combat pour le fun, quoi. Au calme. Pourquoi tu... Voilà. Merci. Ah, puis c'est bon. Du coup, je vais revoir mes combats ici. Bon, alors, il y a visiblement quelque chose à faire, hein. Parce que je me suis barrée comme une voleuse, mais pas du tout. Ah, bonjour. C'est pour mourir, peut-être. Ouais, il y avait une porte, je l'avais pas vue. Parfait. Mourez! Mourez tous les deux! C'est bien, je peux me défouler. C'était le jeu parfait pour aujourd'hui, en fait. Hop! Voilà! Bon, alors sinon, on va faire discute en même temps quand même. Oh, hey, monsieur Tourbillolman là. Tu te calmes de suite, Garen là. Hop. Non, ok. On va refaire comme ça on peut parler. Enfin, sauf si je meurs, mais ça. Ah bah, je crois que je vais mourir. Alors, je vais peut-être. Ouais! C'est bon! Je suis morte. Première mort, j'aurais tenu hein, quand même. Hein. Réessayer, bah non, non, je vais pas réessayer, je vais me casser. Ha, ha, ha. Alors. Parfait, bon, on n'est pas loin, hein, c'est nickel. Allons-y, messieurs, dames. Bon, par contre, tu as le droit de monter. Hein. Tac. Ouais, ça y est, Mick, je l'ai vu. Mick ou Mike, tu préfères que je dise comment? Tu vas falloir que tu me l'écrives pour que je comprenne. Mick ou Mike, je sais jamais. C'est comme tu préfères. Juste que tu me le dises. Bon, meurs, 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 meurs. Toi aussi meurs. Hop, voilà, on va faire ça. On va prendre du recul. Et on va faire. Hop, voilà, et on discute. Alors. Devil May Cry, un jeu un peu compliqué, hein. Voilà. Que j'adore, hein, malgré tout. Mais là, pour le coup, un jeu compliqué, hein. Parce que vous voyez, je regarde même pas l'écran. Hein, je vous regarde, vous. Par contre là, le jeu meurt littéralement. OBS qui me crie, le jeu meurt, oui. C'est bon, là, ça y est, c'est calmé. Voilà, je peux continuer. Mes oreilles meurent. Non, tu fais pas le tourbillon. C'est chiant. C'est chiant quand tu fais ça. Je crois qu'il aime pas les flingues le jeu. Hein. Quand je fais les flingues, ça part en cacahuète totale. Ah ouais, ah ouais. Ah là, c'est beau là. Y a pas à dire. Bon, toi derrière, tu vas te calmer, hein. Ah, y'a de la vie là-bas, vite. Wouhou! On n'avait pas vu! Ninja! Hop! Fin du PC, c'est ça, dofoc!
Ça va être cool, je vais être ravie. Je vais être ravie, hein. Je vous rappelle que mon ordinateur est mon outil de travail. C'est bien, hein. Non, mais là, tu te calmes, voilà. Ah non, non, attends, à quelle heure? Je suis remorte? Oh! Deux morts de suite, c'est un peu la tristesse. Ah, Mike, ok. Bah Mike, si tu préfères Mike, moi Mike, ça me va très bien. Coucou Hugo, bienvenue sur le live. Ouais, mon pélo, tu fais bien de faire des larmes, je peux te dire que... Ouais, comme tu dis. Bon. On se la refait en moins crispé. Est-ce que aussi ce serait possible de faire le combat à une vitesse normale, s'il vous plaît? Parce que là, par exemple, bon, ça a l'air d'aller à peu près, mais... Je peux la passer direct, peut-être, la porte, remarquez. Ou il m'emmerdait. Semblerait que ça ait marché. Voilà. Comme ça, on va avoir une sauvegarde et on va essayer. On va sauvegarder et on va pouvoir relancer le jeu. Que ça arrête. Wow! Magnifique! Un classement de folie, hein. Bon, en même temps. Sauvegarder! Oui! Oui! Je veux sauvegarder! Voilà! Qu'est-ce que vous racontez? Non, sérieux, Letty? Mais je sais, Dofox, c'est pas la première fois que je vous le dis, ça fait des mois qu'il n'en peut plus. Jusque-là, comme je continue à streamer, je continue à faire des rendus de vidéos pour mon YouTube dessus, il continue de mourir comme une vraie personne. Et un jour, je l'enterrerai. Non, pas du tout. Je pense que le jour où il lâchera, je serai tellement en colère. Que je le prendrai, je jetterai directement par la fenêtre qui est ici. Et j'habite au sixième étage, donc enjoy s'il y a quelqu'un en bas. Voilà. Soit. Donc sauvegarder. Ah. Oui. Non, je retirerai pas la memory card, ça t'inquiète pas, je la veux, ma sauvegarde. Pas de données. De sauvegarder maintenant, oui. Ah bah ils veulent vraiment qu'on soit sûr hein, de vouloir sauvegarder parce que c'est vrai que bon, voilà. Hein. Les chips pour garder le moral avec un PC comme les nôtres, je peux te dire que je fais rager un pote qui est fier d'avoir un Apple. Cheaté. J'ai rien compris, Céro, mais alors genre rien du tout. Je vois pas en quoi avoir une config de type charrette te permet de faire rager un pote qui a un Apple cheaté. Alors c'est pareil, ça, c'est quoi un Apple cheaté? Explique-moi, Céro, parce que là j'ai rien compris. Mais alors rien du tout. Je crois qu'il y a une personne qui m'en veut. Ah bon? Ah bah bravo, Pélo, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Et de nouveau premium, c'est vrai en plus. Écraser les données, oui, non, on va en refaire une au cas où, hein. On refait bien la sauvegarde, histoire d'être sûr qu'on l'ait bien. Voilà, données sauvegardées, c'est bon, et après? Mission suivante, on va le faire juste pour la forme, la lancer. Je vais couper le jeu, le relancer pour la fin du stream, voir si ça passe. Alors, mode facile automatique. Ce mode vous permettra de réaliser diverses techniques et actions en utilisant des commandes simplifiées. Il vous suffira d'appuyer sur une seule touche pour réaliser des attaques à l'épée adaptées à la situation. Tellement de génie. C'est parce que je suis un caca boudin en fait. Comme j'ai eu un dé, je suis une grosse merde. Alors que normalement je me débrouille, hein. Mais bon, bah là, essayez de vous débrouiller avec. Non. En plus, je vous parle, donc voilà. Soit vous pourrez également tirer sans appuyer sur la touche R1 pour viser.
Parfait, 2 plus 1 maintenant. La touche de tir enfoncée, vous pourrez attaquer vos ennemis en tir continu. Voilà, donc en gros, l'écran qui te dit, salut, t'es une grosse merde, tu vas jouer en mode facile. Amuse-toi bien, espèce de noob. Voilà, voulez-vous passer en mode facile? Et on va lui dire oui, hein, puisqu'il nous propose, qu'il nous dit qu'on est une grosse merde. Hein, on va assumer d'être une grosse merde. On passe en facile. C'est pas grave, voulez-vous changer? Non, je passe en facile, je suis un caca, je m'en fous. Mission 2, le juge de la mort. Ouvrez la porte de la cathédrale, début de la mission, power up. Alors. Et au passage, un Mac pour jouer, ça pue la merde. Je suis assez d'accord avec toi, Maximusk. Mais voilà, pour bosser, après, si j'avais un Mac à côté, s'il faut pour bosser, mon ordi n'aurait pas autant souffert, il serait pas en train de mourir. Bon, après, il est vieux de toute façon. Mais voilà, pour jouer, oui, non. Je suis assez d'accord, c'est vrai que pour jouer, voilà. Merci, bien, merci. Alors, je sais pas quoi faire. Je tente un début de mission. Si c'est très le Bagdad. Oh là là, on va relancer le jeu, messieurs dames, parce que c'est le Bagdad. Hop, je ferme d'un coup, bim bam comme ça. Ouais, je rigole pas. Tac, tu vas te coucher, toi tu vas te coucher. Hop, merci. On va relancer le jeu qui est là. Attaque. Donc juste 2 secondes, je bois un coup. On se renvoie le jeu et on teste la mission 2. T'es pas une noob, c'est gentil, Mike. Mais là, si là, pour le coup, oui. Hein. Après, je peux. Honnêtement, pas franchement y faire grand-chose. J'ai tout essayé, hein. Je sais pas si je vous ai dit ma soirée et ma nuit. De toute façon, y a pas de miracle, hein. Il me faut un ordi, point. Voilà. Après, je peux essayer de faire au mieux pour que ce soit pas trop le Bagdad, mais même en faisant au mieux, bah, on finit par avoir ça, quoi. C'est un peu triste. Alors, hop, ça va vous tuer les tympans, je sais. Voilà. Là, on est bien. En espérant que ça aille mieux. Coucou Alexis. Mais non, à l'époque, je l'avais saigné le jeu. Hein. J'avais voulu finir toutes les missions au max et tout. Et je l'avais fait. Je crois, je sais même pas si j'ai encore ma sauvegarde sur ma carte. Ah bah non. Parce que c'était. Ah, mais si, je l'ai cette carte mémoire de PS2. Donc si, j'ai peut-être encore mes super parties en plus. Oh, tais-toi, toi. Hein. Alors, charger les données. Oui, tout à fait, Micheline. Chargé. Et là, il n'y a pas de... Vous imaginez, là, il n'y a pas de sauvegarde. Ah, ça va. Ça va, ça va. Ça va! Je me suis dit pendant un instant avec ma chance. On ne sait jamais. Ouais, malheureusement, Mike, et j'aimerais faire beaucoup plus. J'aimerais pouvoir offrir de la qualité. Malheureusement, entre la connexion nulle à chier et l'ordi nulle à chier, ça devient un peu triste pour vous, je pense. Voilà. Là, je joue sur un émulateur Maximusk parce que je n'ai pas le choix, je n'ai pas de carte d'acquisition. Ce sera prévu quand j'aurai les moyens d'avoir une nouvelle config, bien évidemment que je prendrai une carte d'acquisition. Maintenant, je ne suis pas dans l'illégalité, sachant que j'ai le jeu original et que c'est à la base l'ISO du jeu. Donc voilà, je ne fais pas de. Je ne suis pas hors la loi, d'abord. Bon, oui, on avait dit oui, je suis une noob. Non. Voilà. Alors. Début de la mission, power up. Pff. Oh non, ça a commencé le début là, le bordel? Ah d'accord, donc ça a servi à rien de relancer le jeu. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, bah tant pis, hein. On va subir comme ça, hein. Mourez! Mourez! Merci! De toute façon, je suis en facile, je suis une noob. Donc vous allez mourir, hein. Quoi qu'il arrive, sachez-le. Pourquoi il sort plus ses flingues? Ah. Ah bah oui, bien sûr, bah faisons comme ça. Meurs, ordure! En tout cas, c'est vraiment. C'est. Pour se défouler, ce genre de jeu, j'adore, moi. Eh ben, merci d'être passé, Cero!
Non, on est encore tous gris. Oui, alors petite pause. Alexis, qui n'était pas là au début du live, c'est pas grave. Puisque dès mardi prochain, vous ne serez plus tous gris. Puisque j'arrête de stream sur la TB1. Je reprends mon mardi rétro sur ma perso. Voilà. Donc plus de gris. Exactement, Emeraldine. Merci beaucoup d'avoir fait le résumé pour moi. C'est super gentil. Voilà. Non, 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 non. Ça va. Je suis pas encore à l'article de la mort non plus. Ah, par contre, le jeu, lui, l'est. Hein. Pourquoi tu... Ah. Nice. En fait, là, j'attends l'explosion ou la fumée. Si commence à avoir de la fumée, c'est que l'ordi est en train de cramer. Hein. Je vous le dis. C'est pas que je me suis allumé une clope en loose day. Non, non, du tout. Hein. Ce sera que l'ordi est en train de brûler. C'est dit, hein. Vous êtes prévenus. Ah bah, ça tombe bien. Hein. Les combats, c'est parfait. Je suis hyper bien, là, pour les combats. Voilà. Ça prendra la vie, tiens. Alors, ah, vous êtes beaucoup. Attendez, on va faire un truc là. Hop, double esquive. Tac. Tac. La concentration. C'est ça, Maximus. Et encore, tu sais que... Je pense ne même pas avoir les moyens d'acheter un extincteur actuellement, donc même pas, vous appellerez les pompiers pour moi, j'espère. Du coup, je fais des conneries et je regarde pas ce que je fais. Ça doit coûter cher un extincteur, je suis sûre. Je suis sûre que j'ai même pas les moyens. Hein? Oh mais le mec m'a déboîté à distance. Ah, je me suis fait tuer. Je suis un peu triste là. Lol Zurko. Du coup tu perds le tien aussi, tu ferais bien de lui dire d'aller mourir et puis c'est tout. Voilà. Oh là là, non, bon, on va arrêter le flingue parce que je crois que c'est encore pire que tout. On l'utilisera vraiment qu'en cas de nécessité. Oh, c'était joli ça. Enfin, en vrai, c'est joli là, vous l'avez pas trop vu. Oh là là là. Mon dieu. J'ai peur. Moi je lis le chat en avançant là. Non, je crois qu'il y en a à genre 20 euros à Leclerc. Ouais, mais je les ai pas, les 20 euros sur mon compte en banque, mon petit Maximusque. Donc, je sais bien ce que je te disais, je peux même pas me payer. Je peux même pas payer un extincteur. Du coup, je compte sur vous pour appeler les pompiers si ça se met à fumer. Voilà. €20 pour te sauver d'un incendie. Putain, les salauds, quoi.
Coucou univers. Il y a toujours le bug des grilles, hein, donc j'ai vu, merci pour le follow. Mais t'inquiète pas, sur ma perso, tu es déjà blanc. C'est un bug, la TV1. Hein. Et désolé, hein, tu arrives sur le live de la tristitude de mon ordi qui est en train de mourir. Voilà. Comme tu peux le voir et l'entendre, je pense. Mais allez mourir! Oh wow wow wow! À la veille, il y a de la vie, attendez. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors. Vas-y. Envoie-moi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tout à fait, mon garçon. Yes. Alors, il y a une porte là. Et qu'est-ce qu'on a? Une porte là. Et là, je tatoue. Sculpture d'une femme qui souffre avec une épée dans la poitrine. Un instant, j'entends une voix. Je suis Alastor. Les faibles me donneront leur cœur et me jureront une loyauté éternelle. Bon, ça c'est moins cool, mais elle était belle l'épée. Alors, bonjour. Normal, hein, au calme. On fait ça tous les matins, tout sans problème. Je laisse la signer du coup. Hop, je touche plus à rien. C'est bien, au moins les signés sont bien. C'est déjà ça. Ouais, bah moi ça me va, hein. Je la prends. Vendu. Vendu l'épée, c'est bon. Je prends, je prends. Ok. Au calme, hein. Un mec qui manie plutôt bien l'épée, je crois qu'on l'aura compris, hein. Alastor confère à son utilisateur une vitesse remarquable et des capacités aériennes. Malheureusement, la vitesse remarquable, on la verra pas grâce à mon ordi, je pense. Alors, on va quand même essayer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. C'est suspect. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout va bien? Hop, passons par là. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, que dalle. Ah, ça recommence. Ah, voilà, je me disais aussi, c'était bizarre quand même. Tout va bien. Ah, il y a un pont. Un pont. Un deuxième étage, bonjour. Ah. Une faucheuse ressemblant à un diable est représentée. Une clé est incrustée. Dois-je la prendre? Oui ou non? Ah ah! Alors, messieurs, dames, c'est vous qui allez répondre. Je prends la clé ou je prends pas la clé? La 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 la, comme ça je bois un coup de café. Et re-Alexis!
Oh là là, Alexis, mon Dieu. La phrase que t'aurais jamais dû écrire. Je vais vraiment finir par pleurer, je vous jure. Oui. Clairouiller. Donc non, pour répondre à ta question, ça n'est pas normal, Alexis. Mais oui, c'est le cas et je n'y peux rien. Bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où... Je l'ai pris la clé, hein. Je suis en train de douter, mais... Il veut plus. Donc oui, j'ai dû la prendre. Du coup, j'ai même pas regardé ce que j'ai fait. C'est ça, Zurko. Et... Oui, Alexis. Y a des livres parlant de magie noire et de rituels du monde entier. Ben voyons. Quoi, tout à fait normal. C'est tout. Bien. On va descendre alors. Mais en fait, il y avait quoi à faire ici? À part la clé. À part la clé, rien, j'ai l'impression. Donc on va ressortir. Tac, tac, tac. Non, c'est ma barbe à papa aujourd'hui, Pélo. Parce que comme je t'ai déjà dit, quand je suis pas tata, c'est qu'elle est au sale, tout simplement. Bon, y a quoi là? C'est le portrait, on le voit même pas, nice plan de caméra, d'un homme d'âge moyen. D'accord, bah tant mieux, on est content de le savoir puisqu'on ne le verra pas. On n'a pas le droit. Alors ici, j'y suis pas allée, je crois. Ah bah c'est parfait, il nous fallait la clé que je viens de trouver. Donc je suis un génie, je suis allée chercher directement la clé sans le savoir. Pas du tout, hein. Je rigole, hein. Je suis pas un génie. Hein. Voilà. Oh que c'est beau! En plus c'est vrai, normalement c'est beau et tout, puis c'est fluide. J'ai entendu du bruit. Donc là le jeu va mourir parce que je me sers des flingues, hein. Je le touche au moins? Pas l'impression. Oh là là. J'arrive pas à savoir si je le touche ou pas en fait. C'est insupportable. Ça fait quoi ça déjà? Ah, ça fait qu'on peut pas passer. Un immense pouvoir m'empêche d'avancer. Avant de pouvoir affronter le lion, j'aurais besoin d'un signe. Oui, de toute façon, vu l'heure, le lion l'affrontera pas. Hein, je vous le dis clairement, parce que là, en fait. On va se faire la petite pause et on va passer au second jeu. En espérant que tout ira bien. Parce que lui aussi m'a cassé les noix hier. Et pourtant, il ne demande pas grand-chose, hein, celui-là. Vous allez voir. Hein, mais voilà. C'est quoi ça? Ouais, ça vous fait marrer. Bah, c'est cool. Écoutez, je suis contente au moins si ça vous fait rire, vous.
Voilà. D'ailleurs, hein, hop, petite pause. Je veux dire au son de fermer sa mouille. Voilà, le son tu te tais. C'était Devil May Cry de 2001, remixé par Lordi de Letty. Hein. Donc désolé. Voilà. Bon, on a quand même vu, ça a rappelé des souvenirs, fait découvrir, je ne pense pas, parce que je pense que vous le connaissiez tous, d'après ce que je vois sur le chat. Voilà. En tout cas, oui, on va essayer de passer au second jeu. Hein. Donc, comme je disais, vu que ça vous fait beaucoup marrer, oui, même le second jeu a galéré hier, j'y ai passé ma nuit, ma soirée, hein, c'était super. Voilà. Donc, aux dernières nouvelles, il fonctionnait. Avec 20€ sur ton compte, tu pourras t'acheter un Asus Republic of Gamer. What? Qu'est-ce que tu racontes, Zurko? J'avais 20€ sur mon compte en banque qui servirait pour vivre et pour les factures comme d'habitude, hein, malheureusement. C'est bien ça le problème. Hein. Sinon, j'aurais déjà changé d'ordi, les loulous. Hein. Vous en doutez? C'est une nécessité quand c'est un outil de travail, mais là, je peux pas. Donc voilà. Sur ce, messieurs, dames, petite pause. Et bah, on se tente le jeu numéro 2, hein, en espérant que ça ira mieux. Voilà. On y croit, on croise les doigts. Voilà. Petite pause et on se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite.